Un démo coach, qu'est-ce qui va se faire maintenant là? On attaque un échauffement, donc 2 minutes tout seul, et puis après on est sur un petit parcours avec et sans ballon pour boucler l'échauffement et aller sur la séance du coach derrière. Jusqu'à présent tout va bien? Oui. On est d'accord. Tout aille bien, ouais. Merci. Vas-y, jusqu'au bout, Gounadia Lasso. James, Andrew, bon ça va, mais ça va là, en fait que ça va vous, une demande de bombe ça va, ça va, comment ça va là, wow, ok Arcus. Monsieur Onzui, bon ça va, vous me demandez là. Cantal. À la so. Ouh! Merci Jonel. Il y a beaucoup de boule là-dessus. Ok. Oui, le Donald Guerrier. Votre fille, oui, Donald là, lui-même. Je ne sais pas. On a joué samedi à 6h dans Houston, Texas, la 7h en Haïti, 7h sur Miami, si vous trouvez dans la côte est des États-Unis, je crois. Oui, c'est ça. On va approcher des ateliers, ça là. Tiderson, on est que les gens qui disent besoin de visage. Mais il va pas, mais monsieur. Un bigou. Alex, c'est un gros bout de défenseur, monsieur. Tellement que mon gré, mais monsieur, ça n'a pas eu, papa. Wouh! Big up, mon papa. Yeah. Le coach explique l'exercice qui va être fait. Plein soleil là, papa. Plein soleil. Ouf. Côté Charlie Wall. Viens là, papa. Ok. Mon petit Jean Barret bien là. Soleil là, fait un barret, ça qui crie. Oh. Frenzy, l'autre bord, y'a moué. Oh, nous besoin de visage, moi, c'est footballeur, y'a moué. Pas faire nous, même d'aller. On besoin de nous, moi, fait. Et jouer, là, pour me faire nous, ouais. Voilà, le coach, le préparateur physique, qui explique ce qui va être fait. Ici, en rouge,
pas chasser. Et je reviens ici. Et après là-bas. C'est parti, messieurs, laissez un peu de temps. Et toi, atelier là. Et toi, groupe. On va laisser les braillots. Dans cet état. Les gardiens sont là-bas. On va finir pour le mouvement ça. Et on va jouer un gardien. Les mettre dans la position idéale pour moi. Ça va faire très bien. Coach Pascal Goubois participe aussi. Ok. Soleil là chaud. Bon, c'est pléonasme que me fait passer soleil là, pas t'as pas chaud. Mais, moi, quand ça m'a pris là, c'est Texas, moi, Donald. McDano. Non? Eh ben, t'as quoi Donald Trump? Ah, ne fais pas ça. Non, non, je suis en live. Saba, on a rappelé qu'il fait 11 premier tour Gold Cup 2019 là. Et avec Basile. Ah. Andrew! Yes, sir! Notre ange Gabriel. Derrick Etienne. Ah, et puis tu m'as chez boule. Ouais, ça passe. Je dis, je ne parle pas l'anglais bien. Je dis, je ne parle pas le créole bien tout. Son clair, voilà l'autre. Voilà l'autre. Atelier, voilà. Ah, vous êtes à 1119. C'est bien. C'est bien. Continuez. On a rappelé que sélection nationale là, trouvé lui et actuellement et du côté et de Houston, dans l'état Texas. Son retour que nous fait dans l'état ça, puisque deuxième match nous. Et c'était face à Nicaragua dans le match de poule. C'est dans l'état ça que nous étions, sauf que c'est dans le Texas, c'est à Frisco. Alors nous étions cantonné à Dallas, hôtel que nous étions, c'est Dallas. Mais nous étions joué dans tout le stadium qui trouvait la Frisco, en l'autre ville, dans le même state et Texas. Là. Nous voyageons aller. Nous jouer, nous jouer et battre Costa Rica 2-1. Et puis nous tournons Texas encore, mais cette fois-ci dans l'autre ville, pour ce quart de finale de samedi, qui a fait à 7h et dans le pays d'Haïti, mais 6h, bon, ici là, dans Houston, dans Texas. C'est la deuxième séance d'entraînement, messieurs, avant et match ça. Séance yo, explication que coach Abay a toujours fini par partir au but. C'est normal puisque on pas connaît qui ça va le passer, qui ça qui ca rifi. Voilà. On va avancer vers l'autre atelier. Vers l'autre groupe sauver comme ça. Marcus. Allez, gros ballon, gros ballon, gros ballon. 1257. Ça va bon, hein. Désolé, ma Dada Canada. Je tire un peu à droite, un peu à gauche. On va aller approcher nous de Sébastien Maté, l'entraîneur des gardiens, lui-même qui est avec le capitaine Johnny Placide et Josué Duergé et Isaac Joseph Simon Rouault.
de mise en place tactique. Après, c'est tactique, tout simplement, dans le dernier moment là, puisque nous ne sommes pas capables de faire l'autre bagaille, pas de trop physique. Le bus ça va regarder de l'eau, et lui-même qui mène nous. Le gros bus ça, ouais. C'est Johnny. Alors, c'est 4 pistes sur sa route qui toujours travaillent ensemble. Caleb! Sous la rue. Ah, bon, ça. Ah. Ok. Je dis seulement que je ne peux pas voir tous les commentaires en ce moment, puisque le soleil a projeté directement sur le téléphone. Donc, les vignes sont plus ou moins réduites, la visibilité par moi-même pour me répondre à une question que j'ai posée par rapport à la position que j'ai. Et c'est la position qui est idéale pour me capable présenter non, plus ou moins une meilleure image. Ça c'est trois gardiens avec entraîneur gardien Sébastien Maté et même qui a fait mouvement. Un pile love pour monsieur, un pile love et un pile mon approuvé et comportement sélection dans le Gold Cup là et 3 victoires et chaque fois qu'il prend des goals dans mes nous pas gain plein du tout nous va faire nous va quitter faire jalousie et nous bailler BMI 2-1 nous bailler Nicaragua 2-0 et puis Costa Rica dit c'est voisin Nicaragua lié faut nous balle même bail là tout et nous balle 2-1 donc chaque monde prend des goals pas gain plein du tout. Et la grande nouvelle, c'est que ce matin, nous avons appris que Steven Saba fait partie de 11 meilleurs joueurs premier tour. Et c'est ça, statisticien qui n'a pas encore fait ou même révélé. Bon, c'est déjà pas mal, même si je ne peux pas admettre que moi j'ai espéré joindre aussi Derrick Etienne. Sauf que moi qui est en position de Derrick Etienne, non. Il semble qu'on bat en plus, il semble jouer tout match. Et on a rappelé que Saba fait un passe décisive sous coup franc qui était mené égalisation Franck Pierrot face à Bermude. Il marque un goal devant Nicaragua dans 2-0. Et Derrick Etienne à l'origine de deuxième goal Franck Pierrot face à Bermude. À l'origine, il m'a congolé lui-même, et Derrick. Alors, bien qu'il n'y ait pas de balil pour moi-même, c'est on est qui tire dans le goal, et puis le ballon devait rentrer. Si tu shooté deux yards, c'est dans le goal là qu'il a tiré. Je ne comprends pas qui Jean il fait pas bail. Et Derrick Etienne, le goal ça, il a dit son auto-goal qui est lié par le vétéran inscrit contre son camp, par le vétéran nicaraguayen. Bon, même si je t'ai choisi, après les Josué. Si nous avons choisi, nous avons bâillé normalement, nous avons bâillé et nous avons monsieur, nous avons bâillé Derrick Etienne Golsa. Pas parce qu'il s'est arrêté, sinon pour moi, parce que c'est lequel il a tiré au but. S'il tire dans le gol, le ballon a dévié. Donc, pas gagné rien. Bon.
bon, DTN avec le secrétaire général là, mais ça mettait en forme, par contre, c'est un tournoi qui va jouer. C'est un tournoi vétéran qui va jouer en Haïti, je ne Voilà, débute maintenant. Et vous connaissez depuis ces mises en place à quoi le faire là, moi-même, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas produire comme ça. Je ne vais pas avoir un sucre, non. Ça quoi le fait là, je vais faire des lives, chers amis, auditeurs, téléspectateurs. Je vais dire que je vais suivre nous. Je vais sur la radio, je vais passer sur la page Facebook, je vais regarder nous directement. Ou bien sous télévision, parce que nous connaissons un pile et où il est qui fait de petites vidéos que nous faisons pour nous mettre nos services du public et sportif haïtien à travers le monde qui est branché. Ah, Pascal Grosbois à l'œuvre. Et là, on regarde Saba et Brian Alceus. Et next up fait deuxième goal là, oui. Et Alex Christian Barbeau Derek qui contrôle le Barbeau, Alex Christian Barbeau pour comment nous serait là encore collé boum on go shoot là comme ça. On va shoot après la pause là. 11 players. Yeah. On kakaf. What? Yeah. What are you talking about? attention. yeah. Pas de ça. Hein? Pas de ça. Non. Caleb, capacité de travail valide. Pouvais tu l'en dans ça? Oui. Bon, là, je vais camper là. Je suis d'accord avec moi. Et chers amis, je suis obligé de camper. Je suis bien content que nous tapions. Nous avons même été net. Mais est-ce que je peux permettre ça pour me quitter le Canada? Ouais. Ça m'a fait? Je dois faire ça. Je vais zoomer là dans la position ça pour me terminer ce live ça, pour me dire que Haïti, avec 9 points sur 9, 6 buts marqués, 2 buts encaissés, terminé en tête du groupe B et qualifié pour les quarts de finale. Côté de rencontrer l'équipe qui est classée deuxième dans le groupe A, qui c'est le Canada. Derrière le Mexique. Mexique qui va jouer avec Costa Rica lui-même. Et samedi, Capvin là. Nous-mêmes, nous avons joué samedi, c'est dans Houston. Et match ça lui-même l'a joué. Donc moi je m'ai campé là en ce moment coach a fait et mise en place au cas où si me pas trop focus sur plan coach a, et c'est normal qu'il fait comme ça et comme moi souvent répéter et me répéter et après docteur Jean-Bar qui dit et mon Welly que le football c'est la guerre et la guerre ou bien guerre de communication qu'on fait gon gens qui camper gon gens qui ba information. C'est équipe pour équipe le pas bon. C'est pour équipe le pas bon. Bon, on m'a campé là. Moi connais nous ta vle me rete. Moi même tout dans j'y rete. Mais n'a pas d'accord avec moi que me pas ka rete. C'est ton plaisir pour nous débattre nous faire petit temps ensemble. Merci pour tout le monde qui était branché, nous t'est arrivé dans 1300 et n'a fini à presque 1000. Et nous bien content que vous êtes avec nous. On a pris une séance vidéo plus tard. Et puis, on a tourné une entraînée demain. Et vendredi, qui a tenu et séance avant match samedi. Merci en pile. À très, 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 très bientôt. Bye bye.